les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de... Les amis, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour 25 Jump Street, la deuxième partie. Enfin, j'ai pas pu prendre mon spawn parce que, bien évidemment, nous ne sommes pas la nuit et que ça me fait chier d'attendre la nuit, hein. Donc, on va partir à level 6. Level 6, yeah. Niveau 6, hein. Pour ceux qui sont toujours pas anglophones, je pense qu'entre deux vidéos, vous aurez pu travailler votre niveau d'anglais, mais vous l'avez pas fait. Ta gueule. Level 6 Mushroom Biome. Donc on est dans le biome champi, hein. On va bien voir ce que ça donne. On va encore essayer de faire les niveaux jusqu'au niveau 12. Alors là je viens déjà de tomber d'une manière assez subtile qui pourrait se traduire comme une manière assez nulle. Oula. J'avais oublié qu'elle était autant rageante. Bon, on est un petit peu au niveau 6. Donc voilà, hein. Il faut que je m'y attende. Bon là, on va essayer de la jouer safe, voilà, comme ceci. Ah, ça va être chaud celui-là. Celui-là, il va être chaud. Je l'ai 5. Je le sens plus profond et moyen. Le mec, quand il en a marre, il fait l'accent du sud. Il fait l'accent du sud. Vous aurez pu le souligner. Surtout que je le fais très très mal. Ah, mais c'était easy en fait. Bon, là, c'est easy aussi. Et là, logiquement, c'est easy. Voilà! Level 6 complete, voilà. C'était une routine. Routine. Level 7, Graveyard. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc on s'en bat les steaks et on court. Ok, très bien. Alors attendez, il y a un coffre ici. Ok, il y a rien dedans. Super. Pourquoi j'avais des bottons de cuir, moi? Bah la voici sur ma chaîne. Enfin, j'ai envie de vous dire. Ah ok, Graveyard, ça doit être le cimetière. Parce que je vois qu'il y a des tombes et tout. Donc ça doit être le cimetière. Plutôt glauque, plutôt glauque, on soulignera. D'ailleurs, les amis, petite nouveauté, petite 1080p au niveau de la caméra. Eh ouais, on était avec de la 720p et en plus, on était avec de la non-synchronisation parce que la webcam faisait de la merde. Et là, je peux être sûr et certain que s'il y a un manque de synchronisation, c'est juste moi qui ai fait de la merde au montage. Et logiquement, il y a moins de chances que je fasse de la merde au montage que la caméra merde. Ok, hop, ensuite hop, après, ça va être chaud par contre, ça je le sens bien. Ah, j'en étais sûr, la palourde, n'importe quoi, la gueule. Ok, on est revenu, on va essayer de tenter si on peut passer ici, genre comme ça, attention. Ok les amis, nous revoilà, je suis vraiment désolé, je vous montre pas comment passer ce jump parce que je ne sais tout simplement pas comment le faire. Ça m'énerve. Ceux qui jouent à la map, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à le passer, moi personnellement j'arrive pas, ça pue le cul. Ça pue du cul. Enfin bref, on va continuer, je pense que les autres jumps sont beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles, et beaucoup plus réalisables. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi, ou celui-là, Celui-là, je sens qu'il est pareil que l'autre. On va voir ça. Ah non, c'est bon. Easy. Ok. Non. Aïe. Ah, recommençons. C'est parti. Ok. Nous revoilà. Je savais qu'il était pleinement réalisable, mais bon, j'avais la petite manie de pas réussir. Maintenant, la petite échelle. Est-ce qu'on va réussir à la voir? Attention. Je sens très bien le fail. Est-ce que vous le sentez? Attends, il faut le sentir là. Faut le sentir. On est obligé de le sentir. C'est pour ça que je m'arrête 2 secondes. Prends le temps. Petite bouffée d'air frais, hein. Petite bouffée d'air de merde, air puante. Parce que là, c'est fourbe. Là, c'est fourbe. Attention, on est prêt. On est solide comme un roc. Comme ma bite aussi. Wouh! La 4e tentative a été la meilleure, les amis. Voilà, on se retrouve au level 8. Mineshaft. Les amis, ça fait 14 minutes de vidéo. On n'est qu'à ce putain de niveau 8, alors qu'on pensait vouloir faire 12.
Est-ce que je suis sain? Non, non, je sais pas. Je regardais si ça réquait encore, parce que je peux le voir depuis mon iPad, je peux voir si ça réquait. Yeah. Bon, là, vous avez sûrement dû avoir un putain de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, cet effet d'optique. En tout cas, go! Ok, très bien. Je sens que ça va être très galère de passer ce premier palier. Oui, je le sens bien. Est-ce que vous croyez qu'on peut un peu tricher? Bah en fait on peut pas tricher parce qu'on peut pas monter sur les barrières. Le mec il voulait tricher mais non, ferme la gueule. Hein, tu fermes la gueule. Parce que... Ah bah cool. Bah cool. Ok, ça va être chaud. Ouais, j'en étais sûr que ça allait être chaud. Pour le troisième, faut vraiment sauter au dernier moment à mon avis. Donc on va tester notre pseudo-technique tout de suite. Ok, très bien. J'ai sauté un petit peu avant, hein. Donc je respecte pas mes règles. Le mec il se respecte même pas, tu vois. Bah les couilles, frère. Wouh! Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai vraiment sauté au tout dernier moment. À mon avis, c'est ce qu'il faut faire, les amis. Bon, là, on va encore se rétamer, je suppose. Même pas! Mais qu'est-ce qu'on est bon aujourd'hui! Mais qu'est-ce qu'on est bon, putain! Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ça, c'était chaud, par contre, ce jump-là. C'était vraiment chaud. Level 9, Nether. Yeah! Fini. Je pense qu'on va sauvegarder. On va se garder au cas où, parce que là, on risque de mourir. Là, qu'on se le dise, on risque vivement de mourir d'un herpès génital. Ta gueule! On est en pacifique, hein, je tiens à le préciser, donc c'est pour ça, la map normalement doit jouer en pacifique. C'est pour ça que... J'attends que ma consommation s'éteigne. Vu que on reprend notre vie quasi instant. Hop là. Hop là. Bon, celui-là est relativement simple. Ok. Ok. Non. On va retenter. Mais de toute façon, c'est assez simple, comme je l'ai dit. Attention. Mais... Fouini miel, je suis sur moi. Mais non, Fouini miel, je suis pas sur moi. Je tiens à le préciser d'avance. Pardon. Mais putain, j'arrive pas. J'ai réussi le plus. Ok, très bien. Ok, c'est parti. Ok, on va essayer la technique du sneak dans l'échelle. Ça n'a pas du tout marché. On appréciera les techniques nulles. Ok, ça a marché. Yeah. Level 10, the end. Et c'est bientôt the end. Ah, c'était tout pour moi. Bon. Celui-là aussi a l'air relativement simple. Bon, je vais me calmer direct parce que là... Ouais, ça s'est corsé, mais vite fait, quoi. Lol. La difficulté, elle est passée où, là? Ok, rest arena. Elle est où? Elle est à gauche, ok, très bien. Parti. Non, on peut pas dormir. Bon, bah, la sauvegarde des familles, hein, la sauvegarde. Hop. Nous y voilà, la sauvegarde des familles a été faite. On va, je pense, continuer à faire deux niveaux. Je suis à 19 minutes. Donc ouais, c'est bon, je peux encore faire deux petits niveaux pour vous quitter, les amis. Bon, cet épisode-là est un petit peu moins fun que celui d'avant, mais je pas trop les blagues et tout. Parce que c'est pas lourd du tout, t'as eu. Cakeland, waouh, c'est beau. Attendez, je voulais le faire en rush, en mode bas les couilles, mais... On va quand même retenter de le faire en rush. Parce que je sais que je me suis viandé... Pour le troisième, alors que fallait sauter par ici. On se le tente en rush. Easy, ma gueule. Easy, regardez-moi ça. Regardez-moi cette easiest. On va quand même se calmer pour le dernier.
Hop là! Hop là! Et... Putain, je le sentais. Je le sentais. Ok, celui-là va être chaud pour ça. Donc c'est reparti. Non, 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 non. Ok, ça c'était la technique du céleri remoulade. Pourquoi le céleri remoulade? Je sais pas, frère. Vas-y, c'est quoi les bails? Dernier niveau qu'on doit faire, Candy Land. En espérant que ce soit facile. Ça s'en va et ça revient. Ok, ta mère. Là, on est bien. Là, on est bien, en espérant ne pas foirer. Hop là, on foire pas. Doucement, ma gueule. On foire toujours pas. Doucement, ma gueule. On foire encore pas. Doucement, ma gueule. Oh, putain! Oh, sa mère, je croyais que je tombais dans le vide. Oh, je croyais que je tombais... Ok, ça fait rien. J'ai cru que j'étais tombé dans le vide. Wow! Eh ben, on va pouvoir sauvegarder et en finir pour aujourd'hui, les amis. Putain de merde, c'était intense. Ça devient de plus en plus corté. De plus en plus corsé. Je sais pas ce que ça va donner quand ce sera les tout derniers niveaux, mais je sens la rage ultime monter. En tout cas, les amis, j'espère vraiment que vous aurez apprécié cet épisode qui était peut-être un petit peu moins long que les autres, vu que il y a pas mal de temps où j'ai fail énormément de fois, donc je voulais peut-être vous les couper pour vous faire un condensé comme d'habitude. N'hésitez pas à aller voir l'épisode 1 si vous l'avez pas vu. Bon, je sais pas qu'est-ce que vous foutez sur l'épisode 2 si vous avez pas vu l'épisode 1, mais n'hésitez pas à aller voir la partie 1 plutôt que l'épisode 1. Moi, en tout cas, je vous dis à une prochaine fois pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à disliker si vous n'avez pas aimé, à lâcher un commentaire, à lire la description qui est très 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 importante et à me suivre sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci encore une fois à tous et peace. Peace dans mon froc, yeah.